bonne journée. Bien passé, habibi. Attends-moi, je m'en vais à la bibliothèque dans 10 minutes. Tu remplaces encore maman? Oui, dernière journée. Tu montes avec moi? Non, non, il faut que j'arrive plus tôt. Ah, pour ton club de philatélie? Non. La pièce de théâtre, Roméo et Juliette, hein? Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut que j'arrive. J'ai hâte de voir ça. Joue-moi un petit bout de scène. Ah, mais non, c'est pas nécessaire. Allez, juste une réplique. Oh, Roméo, Roméo. Ah, les patates sont chaudes. C'est ça qu'on mange pour dîner? Oui, avec les boulettes. Les boulettes. Où est-ce qu'elles sont, mes boulettes? Bon, ben moi, Jennifer m'attend pour répéter. Hein? Salut. Oh! Je vous ai réveillée? Oh non, non, je dormais pas. Je réfléchissais. Toi, ça a l'air de bien aller, tes affaires? Oui, j'ai eu une super idée pour mon article sur la course du directeur. T'es rendu que t'écris pour les sports. Oh, vas-tu prendre un pseudonyme? Non, pourquoi? Ben, tu sais, parfois, c'est bien de changer de nom quand on part à neuf. Je vais envoyer mon roman aux éditeurs aujourd'hui. Alors là, il faut que je décide de mon pseudonyme. J'avais pensé à Nicola Della Fontana. Ben, moi, l'article, je vais le signer de mon vrai nom. Comme ça, si ça marche, je vais être fière. Comment ça, si ça marche? Ben, au début, j'avais pensé faire une entrevue avec le directeur. Ah ben oui, c'est son idée, la course. Oh, il est tellement énervé! Ben, moi aussi, je suis énervée. Là, il m'attend dans son bureau pour l'entrevue. Il sait pas encore que j'ai eu une meilleure idée. Papa? Didi, j'ai failli faire une crise cardiaque. J'ai parlé avec mon amie Rose et elle va être partie 3 jours. Elle aurait besoin de quelqu'un pour s'occuper de Baboon. Sans un petit peu. Allez, dis oui! Didi, j'ai pas le temps de m'occuper d'un hamster. Je suis tout seul ici pour tout faire. Papa, t'aurais rien à faire. J'irai le chercher à l'heure du dîner et je m'occuperai de lui toute seule. Tu sais que ta mère n'accepterait jamais de laisser rentrer un rongeur dans la maison. Ah, mais c'est pas un rongeur. Il est super fin. Ouais, je suis sûr que Babou est un excellent hamster. Papa, c'est Baboon. Et Rose est partie voir sa grand-mère malade. Je veux l'aider. Tu connais rien au hamster? Elle m'a tout expliqué, puis c'est super facile. S'il te plaît. Je suis vraiment trop bon, hein? D'accord, mais il sort pas de sa cage. Je l'ai mis, papa. Bon, en attendant, votre dîner est là. Encore ton vieux pâté chinois? Je trouve plus mes boulettes. Assez discuté. Allez, va te préparer. Excellent, ce pâté chinois. De quoi il se plaît? Salut, Roméo et Juliette. Hein? Ça va bien, les répétitions? Oui, super bien, merci, monsieur Prudhomme. Bon. Hey, c'est quand même super hein, que Mme Préfontaine ait accepté l'idée de Mélanie de monter Roméo et Juliette. Oui, c'est vraiment super. Bon. Ben, excusez-moi, hein, moi, je vais aller m'occuper du défi du directeur. J'y cours. Hein, j'y cours. Oui. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Mon père m'a reparlé de Roméo et Juliette. J'ai pas le choix de lui dire qu'on a commencé à pratiquer. Là, on est pogné avec notre mensonge, puis on peut pas dire la vérité. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait aller voir Mme Préfontaine, puis lui demander de monter Roméo et Juliette, puis on espère qu'elle va dire non. Juste à dire à mon père qu'elle a changé d'idée, puis tout redeviendrait comme avant. Mais si elle disait oui... On devrait jouer Roméo et Juliette. On passerait des heures ensemble, à jouer des scènes d'amour. Je pourrais t'embrasser. On n'aurait pas besoin de se cacher. Allô? Madame Préfontaine? Oui? Je veux écrire un article sur la course vécue de l'intérieur. Tu vas courir. Mais j'ai eu l'idée la semaine passée. J'ai tout de suite commencé à m'entraîner. Maude, c'est génial. Même si on fait plus l'entrevue avec vous? Ben oui, mais on s'en fiche de l'entrevue. OK, mais... J'aurais quand même quelques petites questions à vous poser. Premièrement, pourquoi ça s'appelle le défi du directeur? Hein, le but, c'est plutôt de faire courir les élèves. Oui. Ben, tu vois, habituellement, on demande aux élèves de courir 2,5 km. Mais moi, à force de me lancer des défis, j'ai réussi à doubler mon parcours. Doubler? Oui.
Toi, moi, je veux être une espèce de modèle pour mes étudiants. Hein? C'est pour ça que la course est de 5 km. Ah bon? Eh oui, 2,5 km, c'est ce que les élèves des autres écoles font déjà. Non, non, ça nous prenait un plus grand défi. Bon, ben, c'est parfait. Hein? OK, alors, as-tu d'autres questions? Non, Jean, c'est en masse comme ça. Monsieur Massari, avez-vous déjà entraîné des coureurs qui voulaient doubler leur distance? Non, je suis entraîneur de foot et de hockey, c'est tout. Vous voulez que je monte Roméo et Juliette? Oh. Ben, on veut surtout les rôles principaux. Êtes-vous correct? Oui, c'est que je suis émue. Dans ma jeunesse, j'ai joué Juliette. C'est mon plus beau souvenir du secondaire. Mais oui, il faut qu'on monte ce chef-d'œuvre de Shakespeare. Parfait. Je vois déjà la distribution. Toi, Jennifer, tu pourrais jouer Lady Capulet. Qui? Mais c'est la mère de Juliette, c'est un très joli rôle. Toi, Samy, je te vois dans Benvolio, le meilleur ami de Roméo. Attendez, le Benvolio et Lady Cassoulet, est-ce qu'ils se tiennent ensemble? Ben non, ils sont dans des clans ennemis. Vous avez lu la pièce. Mais je suis pas sûre que je peux vous donner Roméo et Juliette. C'est des gros rôles. Oui, mais c'est les rôles qu'on veut le plus. Ben, OK. Je vous propose un marché. Vous allez passer une audition. Bonne idée. Je vous donne la journée pour préparer la scène du balcon. Mmh? Ben, merci, Mme Prévotaine. Écoute, papoune. Heureusement, ton père est habillé pour aller trouver la place, hein? Chut! Vous allez faire peur à Baboune. Il va pas bien. Non, il a l'air normal. Il n'est pas encore allé dans sa roue. Chez Rose, il est toujours dedans. Oui, mais c'est parce qu'il n'est pas chez lui, là. Mais il a pas faim non plus. J'ai essayé de lui donner du bédin, puis il a pas voulu. Mais je le comprends. Le pâté chinois de papa, il est dégueu. Bon, moi et Jennifer, faut qu'on répète notre scène de balcon. Ben, c'est ça, amène Babouche dans ta chambre. C'est Baboune, genre. Puis, as-tu trouvé la scène? Non, je trouve pas le mot balcon. À moins que ce soit ça. Juliette paraît à sa fenêtre. Ben, fenêtre puis balcon, ça se ressemble. Maude, enlève ta casquette, c'est interdit dans l'école. Pas si fort! Ah, oui, c'est moi. Est-ce que c'est à cause de ton article que tu déguises comme ça? Je veux pas que quelqu'un me reconnaisse. J'ai essayé de courir 5 kilomètres. Oh, ta détermination m'épate! Épatez-vous pas, je suis même pas bonne. J'avais même pas compris que la course, c'était le double de ce que je pratiquais. Je suis pas capable de dépasser 2,5. C'est très bon. C'est très bon pour une fille de 7 ans. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est mon application. J'aurais jamais dû m'embarquer là-dedans, là. Pff, tant pis, je le ferai pas. Tu renonces à ton article vu de l'intérieur? J'explique à M. Prudhomme que je me suis trompée. T'as pas peur d'avouer tes erreurs, c'est beau, ça. Tu vois, moi, j'allais envoyer aux éditeurs ma lettre pour présenter mon roman sans dire la vérité. Quelle vérité? Ben, tu sais que j'ai déjà écrit un autre roman il y a 20 ans, un échec total. Ah ouais. Oh! Il faut que je te dise. Moi aussi, il faut que je vous parle au sujet de la course. Ah, ben c'est ça. Non, non, c'est ça. J'ai parlé à au moins 3 directeurs depuis ce matin. Ils m'ont tous dit à quel point j'étais chanceux d'avoir des élèves aussi hot. Jean-Pierre, un anglicisme? Oui, non, excuse-moi, Nicole, oui, d'avoir des élèves aussi cool. Hey, ton article pourrait être repris par d'autres journaux étudiants, hein? Hey, c'est pas génial, ça? Oui! Wow, vraiment! Ah, oh, parfait, ça. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Maude? Bon appétit, Monsieur Prudhomme. Si. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Tu parles d'une question, qu'est-ce qu'elle veut dire? Nomme-moi seulement amour et que ce soit comme un autre baptême. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, peut-être que si on se rapproche puis qu'on se prend les mains comme deux amoureux, on va mieux comprendre. Nadia est là. Ben, on a le droit de se prendre les mains. On répète Roméo et Juliette. Salut les jeunes! Qu'est-ce que tu fais ici? Vous répétez encore? J'adore la pièce, je la connais très bien. Je peux vous aider. On se débrouille bien tout seul. Mais Nadia, elle, elle a besoin d'aide. Oui, oui. Son petit est à moitié mort, là. Je pense qu'il va vraiment pas bien. Je manque. Nadia, ça va? Bon, je continue. Écouterai-je encore ou vais-je parler?
C'est bien bizarre, ça. Écouterais-je? Arrête, c'est terrible. Je vous ai pas oublié, hein? Je reviens vous aider. Mais là, il faut que je trouve de la laitue pour... Comment il s'appelle déjà, lui? Mais qu'est-ce que vous faites coller comme ça? Non. On est des amoureux. Mais non, mais c'est la scène du balcon. Bon, Juliette, j'en ai fait. Viens ici, fais-en entrer. En haut, sur le balcon. Allez. Toi, Bolbo, t'es en bas. Imaginez-vous qu'il y a un balcon qui vous sépare. Il paraît qu'il y a une nouvelle sorte de nourriture à l'animalerie. Et sur le forum, c'est écrit qu'aucun hamster ne peut y résister. On va tout de même pas se précipiter à l'animalerie, là. Oh, s'il te plaît. Moi, je peux résister à ça. D'accord, oui. On y va. Vous, oubliez pas qu'il y a un balcon qui vous sépare, hein? Mm-hmm. Attention! On sera jamais prêts. En plus, on comprend même pas ce qu'on dit. Ça va être super plate. Faut trouver quelque chose, là. Quelque chose qui va impressionner Madame Préfontaine. Je sais. T'en fais pas. Des fois, c'est dur de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je suis même pas capable de faire la course demain. J'aurai l'air d'une vraie folle. Je te comprends. Moi non plus, je suis plus sûre de vouloir dire la vérité aux éditeurs. Oui, moi, c'est pire. Toute l'école va rire de moi. Oh, des fois, les gens sont tellement cruels. Vous savez, Madame Préfontaine, je voulais pas vous en parler, mais... mon roman a été refusé par la maison d'édition. Oh non! C'est pour ça que je voulais écrire un autre genre d'article pour changer ma façon d'écrire. Oh, je suis désolée, ça me met tout à l'envers. Puis moi non plus, je sais plus trop quoi faire. C'est comme si j'avais une entorse au cerveau. C'est ça! C'est ça qu'il faut que je fasse! J'ai encore le temps de passer chez nous. Merci! De rien. Faites. Vous répétez pas? Non, on fait des accessoires pour rendre ça plus intéressant. Ouais, mais ils sont pas vraiment réussis, là. Je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Puis, est-ce qu'il a aimé la nouvelle bouffe? Il n'a pas encore touché. Je pense que je vais tenter quelque chose d'autre. Ah, j'ai fait une belle chorégraphie. Réveil, baboune, réveil! Réveil, réveil, baboune! On vient ça chez nous? Oui, quand ta mère et moi est arrivée au pays, elle a fait du bénévolat avec une troupe de théâtre amateur pour rencontrer des gens. Et elle a fabriqué ça. Ah, oh, ils sont vraiment beaux. Mmh. Bon, c'est pas tout à fait l'époque de Roméo et Juliette, mais ils ont du style quand même, hein? Essayez-les! Oui, ben là, il va falloir y aller, mais on n'a pas beaucoup pratiqué, hein? Oh, mais c'est pas grave. Avec ces costumes-là, on est certain d'impressionner Madame Préfontaine. Merci. Très. Bonne chance. Papa! Il va pas mieux. T'inquiète pas, Nadia, on va pas laisser tomber Baloune. Baboune, papa. Baboune. Monsieur Prudhomme? Oh! Voyons, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça doit être mes orthèses. Elles sont vieilles, il faut que j'échange. J'aurais jamais dû m'entraîner. C'est arrivé donc bien vite, ça. Mais ça faisait mal quand je m'entraînais, mais... je pensais que c'était normal, là. C'est vraiment trop. Je suis désolée. Ouais, ben, pas autant que moi. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton article? Une entrevue avec vous, hein, ça va être super bon quand même. Demain, après la course, OK? Ouais. Ouch! Ouch! Jean-Pierre! Nicole? Ça y est, mon enveloppe est cachetée. Il reste plus qu'à la poster et mon roman va partir chez les éditeurs. Oh, bravo! Oh! Ah, rien, c'est pas pour vrai. De quoi c'est pas pour vrai? C'est parce que je veux pas courir demain, je vous expliquerai. Mais vous, pourquoi vous vous êtes déguisé comme ça? Ça va passer une audition devant Madame Préfontaine. Oui, pour qu'elle nous donne les rôles principaux de Roméo et Juliette. Ah, ben je savais pas, c'est cool. Oh, vous êtes super beau. Pourvu que Madame Préfontaine pense comme toi, hein? Non, mais c'est sûr. Là, il faudrait y aller si on veut pas être en retard. OK, ben vous m'en donnerez des nouvelles, je vais vous attendre. OK? Bonne chance, bye! Ouch! Mm-hmm. Monsieur Prudhomme, je peux tout vous expliquer. J'espère. C'est parce que... je pensais que la course était seulement 2,5 km.
Je serai jamais capable de me rendre au fil d'arrivée. Je vais avoir l'air d'une vraie folle si je cours demain. Mais je voulais pas vous décevoir. Maude, tu peux toujours me dire la vérité, OK? Écoute-moi bien, là. Moi, je pense que tu peux courir 5 km. Je suis même pas capable de faire 2,5. Non, hé, viens me rejoindre ici ce soir après le souper, OK? J'ai souvent m'entraîner ici, moi. Quand il y a personne dans le corridor, ça cause super bien. Je peux te donner tous mes petits trucs, là, tu vas voir. Par exemple, est-ce que tu sais comment respirer quand tu cours? Ben, avec mes poumons. Ah, tu sais pas, hein? Non, la suite, ce soir. Oh, Roméo. Écouterai-je encore ou dois-je parler? J'ai pas fini. Excuse. Ou fais-moi simplement un vœu d'amour et je cesserai d'être une Capulet. Veux-tu me prendre au mot? Oui. Je veux te prendre au mot. Nomme-moi seulement amour et que ce soit... T'es rendu où, là? Comme un autre baptême. Jamais plus je ne serai Roméo. Par aucun nom je ne saurais dire... Quelconque. Les jeunes... C'est beau, là. J'en ai assez entendu. Non, mais il reste encore un gros bout, là. Je vois bien que vous êtes pas prêts pour des rôles principaux. C'est des gros rôles, vous savez. Oh non. Mais j'ai autre chose à vous proposer. Vos costumes sont tellement beaux, je vous vois très bien responsable des costumes et des accessoires. Mais nous, ce qu'on veut, c'est jouer, là. Répéter ensemble. Mais vous allez jouer, mais des petits rôles. Vous n'aurez pas plus de temps que ça, là, avec vos responsabilités aux costumes. On les a pas fait de même. Prenez le temps d'y penser, d'accord? Bon, moi, il faut que je m'en aille, là. J'ai une enveloppe très importante à poster. On aurait dû aller chercher l'escabeau aussi. On serait plus sur l'air d'un balcon. Les amis, c'est pas vraiment ça, le problème. Mais qu'est-ce qu'on va faire, là? Tout le monde pense qu'on va jouer Roméo et Juliette, à commencer par mon père. Il y a une façon bien plus simple d'arrêter ça. Dis-le à tes parents qu'on sort ensemble. J'ai besoin d'inventer des histoires. Mmh. J'allais te demander comment ça s'est passé, mais je pense que je le vois dans ta face. Mmh. Mais vos costumes étaient tellement beaux. Peu trop même, tu n'avais pas assez répété. Oui. J'ai déjà lu la pièce. Je trouvais ça pas mal dur à comprendre. Tellement, puis dur à dire en plus. Pourquoi c'est pas plus simple? Comme, par exemple... Yo, Méo, pourquoi tu t'appelles de même? Si t'avais un autre nom de famille, ce serait bien plus simple, il n'y en aurait pas de problème. Lui, qu'est-ce qu'il dirait? OK, Juju, laisse faire mon nom, puis comme tu voudras, appelle-moi donc. C'est drôle. Et si toute la pièce est écrite comme ça, là, c'est sûr que ça pognerait au bout. Hey, Maude, j'ai quelque chose qui pourrait peut-être marcher, mais j'aurais besoin de ton aide. N'importe quoi, tant que je cours pas. Allô, pas? As-tu deux minutes? Faudrait que je te parle. Attends, regarde comme il a l'air content, hamster, hein? Allez, allez, Bobonne! Ben, je pense que c'est Baboune. Tu sais, papa... Avant, il faut que je te dise, hein? J'ai trouvé c'était quoi le problème du hamster. Lui non plus, elle met pas ton pâté chinois. Très drôle. Non, Nadia est inquiète parce qu'il tournait plus dans sa roue, hein. Elle était simplement bloquée. J'ai débloqué et voilà que Boum Boum est de nouveau heureux. Qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est au sujet de Jennifer et moi. Tiens, on a dit qu'on voulait jouer dans Roméo et Juliette. Mais dans le fond, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a, Boum Boum? Fini ta phrase, tu m'inquiètes? Ben dans le fond, j'ai fait un trou dans mon chandail. Enlevant le bras, mais on s'en reparle, OK? Allô? Qu'est-ce que tu fais avec ça, Didi? Ah, ben, j'ai ramassé des feuilles mortes dans le parc pour Baboune. Mais t'as plus besoin de t'en faire pour lui, hein, regarde. Ah, il va mieux? Il est guéri. Oui, c'est vraiment drôle ce qui est arrivé. Mais non, c'est pas drôle. C'est grâce à moi et ma chorégraphie. Ah oui? Oui, je suis vraiment bonne avec les animaux. J'allais écrire ça sur les forums. Oui, mais attends, Nadia. Non, papa. Maintenant, tu m'appelles docteur, Nadia. Comme vous voudrez, docteur Nadia. T'as entendu ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire tout ça?
Un petit réchauffement, ça fait jamais de tort. Ça peut éviter certaines entorses. OK. Dire que je pensais que j'étais ridicule quand je courais. Hein, ben, tu sais ce qui serait ridicule? Ce serait de rester assis à ne rien faire. Bon, tu vois, d'abord, juste que toi, une des élèves les moins sportives de Victoire des Marais, tu te présentes le matin de la course sur la ligne de départ, t'as déjà gagné. Yeah! Ah oui, yeah, certain. Puis pour la suite, c'est assez simple, hein? Tu pars pas trop vite, hein? Tu ménages tes forces. Ah! Oui, mais peut-être que je me garochais trop tout de suite en partant. Oui, peut-être. Non, puis à part de ça, là, tu restes le corps droit, hein? Pas coincé, là, mais droit. Tu respires librement. Puis je t'en dirai plus en action, OK? Bon, on commence? Pas tout de suite, j'attends quelqu'un. Puis je pense qu'elle arrive. Bonsoir! Moon m'a dit qu'on avait un cours de jogging, si vous me permettez un petit anglicisme à mon tour. Ah ben, quelle bonne surprise! Hmm? Je viens de poster mon enveloppe. Je me sens toute légère, prête à survoler les kilomètres. Oh. OK, on part? Oui, ben juste le temps que Nicole sautille un peu pour se réchauffer, puis... Allez, Jean-Pierre, fais comme moi! Toi aussi, mon gars! En croisée! OK, c'est l'heure. Oh, Roméo, pourquoi est-ce que c'est toi que j'aime? Pourquoi pas un autre gars de l'école? J'ai envie de te dire plein d'affaires, mais en même temps, j'ai trop envie de t'écouter parler. Avec ta famille, c'est tellement compliqué. Si tu portais un autre nom, il n'y aurait plus de problème. OK. Appelle-moi plus Roméo. Appelle-moi mon amour. Ça va être bien assez. Oh, bravo! Bien meilleur que cet après-midi. Non, mais c'est vrai qu'ils sont bons, là. On a l'impression qu'ils sont vraiment amoureux. Mais le texte est un petit peu spécial, hein? Ouais, ben c'est Maud qui nous a aidé à le réécrire pour qu'il soit plus clair. Ils sont assez bons pour faire les premiers rôles, non? D'accord. Mais on va peut-être revenir au vrai texte, par exemple. Quitte à raccourcir un petit peu, hein? Mais si vous me jouez ça aussi sincèrement, ça va être bon. Bravo, t'as réussi! Hey! Oh, c'est tellement beau, là. Sérieux, je suis ému, là. J'en reviens pas! Je l'ai fait! J'ai fait 5 km! 5! J'ai couru presque tout le long! Je suis même pas morte! Juste à moitié, mais... Bon, il va te rester assez d'énergie pour m'écrire un super article, hein? OK, mais pas tout de suite! Oh, mon bravo, t'es super bonne! Samy, est-ce que t'as la savette? On répète tout le temps. Roméo, passe-moi la bouteille d'eau. Oh, Juliette, donne-lui la serviette. Des jeux, des défis et des missions t'attendent sur notre site